des plans mis en terre ici à Semekodi par les agents de Société Générale Bénin. Un geste qui vise à améliorer le couvert végétal pour mieux lutter contre la déforestation au Bénin. Notre souhait, c'est que le Bénin soit le plus prospère possible, se développe le mieux possible. Et cette prospérité, aujourd'hui, je crois que plus personne ne doute, ce n'est pas seulement une prospérité financière, c'est une prospérité dans un certain nombre de valeurs, de développement. Et la qualité de l'environnement, la qualité de l'eau, la qualité des forêts fait partie vraiment de ces valeurs. Et si on n'arrive pas à intégrer ça dans notre développement, on n'aura pas le succès qu'on attend. Cette initiative est la preuve de la dimension citoyenne de la banque. Elle n'est pas à sa première édition. Il y a un an, en 2017, nous étions sur ce site pour planter des eucalyptus. Vous voyez derrière moi comment ces plants sont devenus déjà de jeunes arbustes. Et nous avons décidé de poursuivre justement en élargissant le périmètre de reboisement. Donc c'est vraiment la preuve que nous sommes dans une démarche d'accompagnement de l'environnement dans la durée. Plus de 5000 plants de calcédra et d'eucalyptus sur une superficie de 5 hectares. La direction des eaux et forêts s'en réjouit. La Société Générale des Banques a choisi la bonne part qui est d'accompagner les actions de reboisement. C'est une action noble. Avec un capital de 32 milliards de francs CFA, Société Générale Bénin est une filiale du groupe Société Générale. Au-delà de sa mission traditionnelle, la banque contribue ainsi à l'économie verte afin de garantir un environnement sain aux générations futures.